père d'Antonin, bien sûr. Grande famille Grand Monton. Et donc cette histoire, elle a veillé. Donc, bien sûr, c'est dans un village qui est béni au Nessier, c'est Gramont. Tout le monde, tous les conteurs, avec leurs petits moyens, ont réussi à vous convaincre, bien sûr, que Gramont était béni des dieux. Sûrement. Très petit moyen, excusez-moi. Donc Gramont est béni des dieux, et bien sûr, les dieux venaient très souvent boire un verre d'hydromel. Ils se mettaient là, devant le château, et goûtaient un petit verre d'hydromel. Et ils se disaient, ben, on a créé les Martinets, qui font un bordel d'enfer. On a créé le monde, on a créé surtout on a créé Gramont, c'est magnifique, c'est exceptionnel. On a créé l'homme, on a créé la femme, et ils étaient là, en train de boire leur hydromel tranquillement, jusqu'à ce qu'un jour, un homme leur a dit, écoute, le travail que vous avez fait, parce qu'il parlait à tous les dieux, il y avait le dieu du feu, le dieu de l'eau, le dieu des plantes, le dieu des fleurs. Le travail que vous avez fait est exceptionnel, bien sûr, mais on a, nous, hommes, quelquefois des petits problèmes avec les femmes. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Alors les dieux se sont dit, on va ouvrir une bouteille d'hydromel et on va réfléchir à ça, et on va trouver la solution. Au bout de quelques bouteilles, ils se sont dit, Gramont, est-ce que tu peux, système expérimental. C'est-à-dire, ils ont décidé que les hommes allaient vivre plutôt la journée avec leur ami le soleil, et les femmes allaient vivre plutôt la nuit avec leur ami la lune. Parce qu'à cette époque-là, la lune et le soleil vivaient au milieu des êtres humains. Et pour que le système fonctionne bien, il faut bien sûr que les hommes et les femmes se rencontrent. Donc une fois par mois, on se retrouve pour une belle journée, un peu de foie gras, un très bon cassoulet, et une très longue nuit entre hommes et femmes. Comme aujourd'hui, exactement. Donc voilà, comme aujourd'hui, ouais, rien ne change à Gramont, il y a une continuité. Et pour que le système... Et à ce moment-là, les hommes et les femmes vont choisir le messager, c'est-à-dire celui ou celle qui sera en charge de parler, de discuter, de dialoguer avec les dieux. Pour que le système fonctionne mieux, ils se sont dit, on va y adjoindre quelques commandements. Bien sûr, on remarquera que dès qu'on parle de religion, on ne donne pas de conseils, on parle de commandements. Donc le premier commandement, c'est « tu ne tueras point ». Là-dessus, tout le monde est d'accord, à peu près. Le deuxième commandement, c'est « tu ne voleras pas trop ». Troisième commandement, « la femme de ton voisin, tu n'embêteras pas trop ». Le quatrième commandement, « tu respecteras ton père, ta mère et les aubergistes ». Cinquième commandement, « tu aimeras le cassoulet comme ton prochain ». Et inversement. Donc il y avait 10 commandements, et ils ont adjoint, j'ai jamais su conjuguer le verbe adjoint, ils y adjoignirent un 11e commandement, tu ne te choisiras pas comme messager des dieux. Donc les hommes avaient décidé de voter pour les femmes, et les femmes avaient décidé de voter pour les hommes, et tout était au mieux dans le meilleur du village. Et les étrangers venaient de loin, de très très loin, pour voir ce système que les dieux avaient appelé d'économo. C'est dur à dire aussi, la démocratie. Ça n'a jamais bien fonctionné, mais pour le moment, pourquoi pas. Il avait appelé comme ça, c'est du grec, et les étrangers venaient très très loin et s'installaient à Gramont. En venant à Gramont, ils se disaient, Gramont c'est magnifique, c'est exceptionnel, et je m'y installe. Mais c'était des bons étrangers, c'est pas... Hein? Pas les étrangers qui disent, non, je suis dans le fond, hein? Et je te mets de la menthe sur le cassoulet. Enfin, c'est vraiment le bon étranger, pas l'étranger. Et donc il y avait de plus en plus d'étrangers à Gramont. Et jusqu'au jour, arriva un nouvel étranger, une espèce un Rastaquouère. Ce Rastaquouère, alors Rastaquouère, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Rastaquouère, c'est, j'ai regardé la définition dans le Petit Larousse, c'est étranger aux allures voyantes, dénotant dans le paysage. Oui, alors si on prend un exemple, si on prend le pape quand il va en Afrique, on peut penser que là, il y aura ça. Et ce Rastaquouère ou cet étranger s'est dit, ouais, Gramont est magnifique, bien sûr, je m'y installe, comme beaucoup d'autres. Il a dit, moi, il n'est pas question que je respecte ces commandements qui ne me conviennent pas, et je respecterai les commandements qui me conviennent. Et lors de la votation suivante, au lieu de voter pour une femme comme il aurait dû, il vota pour un homme. Lui. Et au lieu que ce soit une femme qui fut choisie, c'est lui qui fut choisi. Alors les dieux, ils ont vu ça, ils ont vite compris que parmi les hommes, parmi les humains et surtout parmi les hommes, il y avait des traîtres. Alors ils se sont dit, c'est pas normal.